Ouf. Mais non. Ouh. Oh, aïe, aïe, aïe. Et salam le monde, ça qui me pas possible, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une nouvelle vidéo réaction. Oh là 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 les gars, je sais pas, en ce moment je suis dans un mood frère. Voilà, j'ai envie de niquer des mamans. Oh, je sais pas, j'avais envie de caler ça. Vas-y, attends, est-ce qu'on peut pas faire le ouf avec ça? Le game pas possible, est-ce que vous allez bien? J'adore ce truc. Non, du coup les gars, plus sérieusement, on se retrouve bien sûr pour une nouvelle vidéo réaction bouquet. Les gars, bien sûr, je rappelle le délire. Voilà, on dans réaction bouquet. Bon bah on réagit pas à un clip mais à deux clips. Bientôt, pourquoi pas 3, 4, 5 jusqu'à plus. Waf. Ouais, bon là j'exagère peut-être un peu le bail. Mais aujourd'hui les gars, on va réagir au clip de Codes avec Leto sur le titre Bipolaire et également au titre de Soul King en feat avec Rimka sur le titre Lela. Enfin d'ailleurs, j'ai Lela mais ça doit être Lela, Lela parce qu'à mener ça doit partir en rebeu. Je les connais, c'est mes zincs. Mais on va commencer d'abord par le titre de Codes qui était sorti bien avant et je voulais y réagir et il y a eu trop de bail entre temps et tout et en plus en commentaire de temps en temps vous sortez hey, réagir à Codes et Leto, ok, et je me suis dit en plus il y a Soul King qui vient de sortir un truc avec Rimka, on fait tout ça dans la même vidéo quoi. Donc déjà tu lâches ton like parce que c'est obligatoirement obligatoire et n'hésite pas aussi à t'abonner, voilà, si ce n'est pas fait, mais normalement si t'es un mec bien tu l'as fait et si t'es un mec mauvais fais-le aussi parce que voilà je suis pas un mec si bien que ça. Ouais c'est vrai que normalement je suis pas bon, bref. Et aussi n'hésite pas à me dire en commentaire, voilà, quel bail t'as kiffé, est-ce que t'as kiffé le bail de Code, est-ce que t'as kiffé le bail de Soul King et Rimka. Enfin bon, bon bref, tu, même si t'as rien à dire, lâche des emojis, c'est pour le référencement. Je t'expliquerai. Bon allez, let's go. Wachibe Records. Y a un Dawalak déjà derrière tout ça. Eh frère, moi je suis vraiment en train de me dire, quand même, c'est pas tout le monde qui peut tenter ce genre de bail. Mettre une doudoune et genre t'es torse nu en dessous. J'ai bien envie de faire la démo mais je pense pas que je vais le faire. Non, ce moment n'est pas arrivé. Ah, William Thomas. Wow. Attends, c'est quoi ce placement de produit, je connais pas. Touch to buy, qui veut dire touche mes bails quoi. Attends, on est d'accord que là quand même le placement de produit limite c'était une vidéo tuto ou c'est comment? Ouf. Mais non. Ouh. Ouh. On vient d'atterrir en enfer. Oh. 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 Oh, oh maman. Mais frère, mais voilà, elle est en conduite accompagnée la meuf. En plus là, skip au parc Astérix, là ils viennent d'enlever le tonnerre de Zeus. Voilà, j'ai trouvé la nouvelle attraction. Oh oh. Incroyable. Ok baby, bouge ton boule. Oh. Est-ce qu'on peut dire qu'en regardant le clip, même si t'es en couple, t'as trompé ta meuf, on est d'accord hein. Putain frère, voilà. Eh, la meuf frère, elle a des ongles frère, ça fait la taille de ma... On continue le clip hein. Ah ouais frère. Ah ouais. On est d'accord que je m'y attendais pas du tout. Du coup les frérots, le titre de Codes Bipolaire en feat avec Leto, j'avoue en plus le titre veut tout dire. Bipolaire, mais en plus ça résume très très bien le bail. Voilà, avec ce délire de changement d'instru, on va pas se mentir que Leto a modernisé ça. Avec, je m'en rappelle bien sûr, avec le son notamment en feat avec Nino. Et là en plus on a vraiment un clip qui résume bien le côté bipolaire. Parce qu'on a en première partie, voilà, tout le monde est habillé en blanc, c'est doux, c'est mignon, tout ça. Et on est parti directement devant les portes de l'enfer, voire en enfer directement, carré VIP, avec voilà tout le monde en rouge, tout le monde en brosson, tout le monde voilà en mode
On va pas se mentir qu'on est plus dans le haram qu'autre chose. Mais voilà, bon, c'est un concept, c'est un délire. Il y a quelque chose, il y a quelque chose. Après, voilà, je veux dire, ils ont rien inventé du coup. Mais voilà, c'est un bon petit délire que je trouve, voilà, assez drôle. Voilà, à prendre en second degré. Après, bon, vous savez que moi, c'est pas mon genre de bail, les bails de clips comme ça où tout le monde bouge son tarpé, les trucs comme ça et tout. Frère, je veux pas te mentir que moi, je suis dans un peu clic comme ça. Mon daron m'envoie au bled. Hein. J'aurais beau avoir peut-être 35-40 piges, je le fais. Il peut m'envoyer au bled quand même. Hein. Mais il faut reconnaître qu'il y a un délire, il y a un concept et tout. Ça c'est drôle, voilà la vibes de Leto au début j'ai bien kiffé. Et j'avoue que God, je la refais. T'as vu, en regardant des clips comme ça, du coup je vais même plus l'appeler God, je vais l'appeler God. Tu vois, c'est ça le problème. Mais non, plus sérieusement du coup God, voilà, que j'aime bien. J'ai déjà un peu écouté, voilà, sur, voilà, dans les Planet Rap et tout comme ça et tout. J'avais déjà un peu écouté ce qu'il faisait. C'est vrai que c'est un très très bon chanteur aussi. Très très bon dans la mélo et dans le côté sombre aussi. Voilà, il a son délire. Et c'est très complémentaire avec Leto, donc ça match très très bien. Du coup les gars, on enchaîne avec le deuxième clip, Soul King en feat avec Rimka, du coup avec le titre Lella. Moi je pense que ça va partir en mode blédard de ouf. Et là je pense qu'il y a moyen que je me lève de ma chaise pour m'ambiancer. Zama, ça lit le journal Liberté. Oh là là, les placements de produits, mon gars. Incroyable. Par contre, on est d'accord que maintenant, les ordi, frère, tu peux ken avec, c'est comment? Comment ils se retournent et tout le bail, frère? Ah, Psartek, le Serge Tacchini. Oh, la vibes. Oh, oh, yeah, yeah, yeah. C'est beau l'Algérie, voilà. Magnifique. Incroyable. Du coup les gars, Soul King en fait avec Rimka, Lella. Oh là 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 là. Pourquoi à chaque fois je suis obligé de partir en blédard? Si franchement j'étais pas un minimum rebeu, je pense que les gens ils me traiteraient de raciste normal. Non les gars, plus sérieusement, franchement, c'est le bail de son que je kiffe. Et ceux qui me suivent depuis un petit moment, c'est vrai que je l'ai dit déjà pas mal de fois, mais Soul King, j'adore son délire. Franchement, Soul King, je trouve que c'est l'un des meilleurs du game. Dans ce côté, je sais pas, cette vibe, ce qu'il apporte et tout. Il a ce côté, voilà, je sais pas vraiment comment dire, mais déjà, je kiffe les sons de ce style-là, les sons rebeux, on va pas se mentir, les gars. Moi, ça me... Moi, tu sais, je peux pas écouter ce son-là et rester assis. Ah, c'est impossible, il faut que je bouge, il faut qu'il y ait un truc, tu vois. Et là, franchement, voilà, c'est pas parce que je le fais en vidéo ou quoi, mais je te jure, tout seul dans ma chambre, frère, je le fais normal. Et en plus, le feat, mais... Il y a une complémentarité incroyable avec Rimka qui pose sa voix grave dans le refrain et tout. Ça fait vraiment un peu les sons t'as à l'ancienne, tu vois. Avant, il y avait personne qui pouvait poser un peu à la Soul King, donc t'apportais un peu une voix féminine qui ajoutait un peu le côté R&B. Et là, avec le côté tendance de Soul King, ça match super bien. Et c'est pour ça que, voilà, le duo est super, super complémentaire. Et le clip, il faut qu'on en parle. Il faut reconnaître que là, le clip est super beau. Et l'Algérie est un beau pays, les gars, il faut reconnaître, les gars, on est ensemble. Même j'ai beau être marocain, c'est vrai que de temps en temps, on se vanne et tout comme ça et tout, on dit ouais non le Maroc c'est largement plus beau à l'Algérie. Mais faut reconnaître frère, tous les pays sont beaux frère. C'est juste qu'il faut voir où sont les plus beaux endroits. Et là le clip est super beau. Et c'est une belle déclaration aussi je trouve à leur pays d'origine qui est l'Algérie. Donc c'est magnifique, voilà. Franchement c'est incroyable. Donc franchement voilà, j'ai grave kiffé. J'ai passé un bon moment à réagir au clip et à mater ce clip, à écouter le son. Donc merci Soul King et Rimka, c'est sur Validé. Donc voilà les frérots, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo réaction bouquet. Si vous kiffez ce délire, n'hésitez pas bien sûr à lâcher un maximum de likes et à vous abonner en activant cette fucking cloche. Et dites-moi en commentaire ce que vous avez plus kiffé. Est-ce que vous avez plus kiffé le délire de Codes avec Leto, ou alors Soul King et Rimka, ou alors si vous avez kiffé les deux, parce que c'est quand même deux délires complètement différents. Il y en avait un dans le haram et un dans le halal. Chacun fait son bail. Mais bref, du coup, c'est à vous de jouer. Et n'hésitez pas aussi, voilà, à me follow à travers tous les réseaux sociaux. Voilà, parce que les gars, en plus, là, je vais vous lâcher pas mal d'infos sur les réseaux. Donc, il va falloir me suivre maintenant. Allez, les gars, il y a des bails très, très intéressants qui arrivent. Bref, c'était Game Impossible. Je vous aime, je vous laisse et je vous fais la fucking bills. C'est réaction, freestyle, part du port. Comme on dit, mon rouge, jamais de son poids. Sa critique et sa rage, je touche à mon main. Rebeu, c'est réaction, freestyle, part du port. Avant de donner ton avis, masque, il y a son...